entièrement avec tous les camarades qui font partie du gouvernement et qui la confiance que la population mettait dans nous et donc la confiance aussi que les camarades mettaient dans moi comme Premier ministre, comme leader of the House encore. Donc, évidemment, comme vous connaissez, le travail, c'est de commencer le lendemain et faire de sorte que le Parlement siège le plus tôt possible pour qu'il y ait aussi tout bon membre élu capable de prêter serment. Et je vous ai raconté que Dieu passe dans une bonne atmosphère. Vraiment solennel. Et maintenant, un message sur un élu de la majorité. Ben, mon message pour tout un élu, c'est qu'il nous montre l'outil sa confiance qui dit de mettre dans nous là. Montrez-nous surtout respectueux envers l'institution le plus suprême de ce pays-là. Et nous venons à un rapport correct, civilisé. Pas de débat, évidemment, dans l'intérêt du pays et qui tout passe d'après les règles de ce qui est prescrit par l'Assemblée. Ben, nous adjoignons pour le 2 décembre. Est-ce que ce sera le programme ou soit-il ça? Ben, nous laissons le gouvernement pour décider donc de l'agenda. Monsieur le Premier ministre, on décrit un long discours où les chapeaux, les DDP exprimaient des massifs de mouvement. Oui. Qui vous discutez à la suite de ce ben, nous déjà, j'ai contemplé quand même pas mal d'actions. Évidemment, il y en a certaines qui nous finissent comme en France. Non, vous avez mentionné, on a comme ça, nous avons objecté à ce que l'Angleterre fasse partie de sa commission-là, parce qu'il n'est plus costaud, il n'est plus qualifié, il n'est plus éligible pour être sur sa commission-là.